Du coup, dans cette nouvelle vidéo, donc bonjour YouTube, et puis ben écoutez, on va aller faire la bataille sur de la plaine de défense tout de suite. Donc Nakai pour l'instant qui est là. Bon, et malheureusement je pourrais pas faire l'attaque éclair puisqu'il n'y avait pas d'autre armée. On veut tester la petite chose qui nous permettrait éventuellement d'avoir l'armée affaiblie. Donc je pense qu'ils doivent être tous à Sudenburg, ouais. Donc on verra pour Sudenburg, on va essayer d'attaquer. Qu'est-ce qu'ils ont comme garnison ici? Ouais, une petite garnison, donc on pourra éventuellement attaquer avec notre armée principale. À Numas, on va bouger ici, on est à plus 539, donc on peut continuer encore à grappiller un petit peu là. On est à 16 sur 20. 500, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour 500? On a déjà nos deux carnosaures, stégadon ancestral, quelque chose qui tire, on a déjà deux choses qui tirent. On a que de l'artillerie ici, peut-être un peu de cavalerie, sauf que la cavalerie bien entendu elle n'est pas là. Donc il va falloir qu'on aille à la jungle maudite pour aller chercher nos cornus. Et puis on mettra peut-être un prêtre ou un, on verra ce qu'on mettra un seigneur. Donc toi tu vas prendre la délivrance 3, on va faire attention aussi à l'ordre public ici. Donc là on va prendre un bâtiment de thunes. Ah mais j'allais dire ça donne un port, mais en fait le problème du port c'est qu'il donne accès à nulle part. Donc je pourrais pas commercer non plus avec le port ici. La fin des temps, où le monde de Warhammer Battle est détruit puis ça passe par Ajax Immaru. Dans End of Time. Ah oui ça j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu qu'il a été réincarné dans Calfranx, mais effectivement c'est dans The End of Time, donc peut-être pour... Mais justement si jamais le Total Warhammer 3... Et enfin correspond à End of Time. Je reviens, j'arrive tout de suite. Donc si Total Warhammer 3 correspond à End of Time, ça pourrait le faire. Je pourrais les attaquer comme ça là ? Ce serait cheaté. Je pense que je peux y aller en un tour ici. Je peux. Alors, attaque éclair. Ah, attaque éclair, comment ça se fait que ça marche sur la garnison? Comment ça fait que ça marche sur la garnison, l'attaque éclair maintenant? Mais attends, j'ai rêvé ou quoi? Ça a toujours marché sur l'attaque éclair ou c'est moi qui suis fou? C'est incroyable. Bon, on va la faire en auto. Ah mais parce que l'armée est en dehors de la ville, c'est pour ça. Attends, on pourra pas encore le voir. Ah ils sont en dehors de la ville. On va p'y occuper. Je me suis dit mais c'est pas normal, mais effectivement, si t'es dans la ville, ça marcherait pas. Non mais on verra tout à l'heure avec. On essaiera de résoudre ce problème. Donc on n'a pas encore pu regarder. Sidenburg, on va donc prendre ça, on va prendre une petite garnison, on va dégager ça, on va prendre ça, on va dégager ça. Province sécurisée, on a des rébellions qui vont pop, par contre il va falloir qu'on se stabilise un petit peu là. Et donc la rébellion elle va pop où? Elle va pop... ici. Donc ça tombe bien, toi tu vas revenir là. Toi, tu vas te charger de stabiliser l'ordre public un petit peu. On a 1343, donc ça c'est très bien. On va pouvoir aller finaliser cette armée là. On va se mettre juste ici. Ah, ça marche pas sur ma partie. Non, non, mais ça marchait pas. C'est parce que l'armée était en dehors, les gars, c'est pour ça. On va se prendre donc deux cornus. On sera à 18 sur 20. On va se prendre un vétéran scarifié. On va le prendre celui-là. Tout à l'heure, il m'appelle. On va le prendre en entraînement, en prédation aussi, en maître d'épée. On va le faire venir là. Et on va se prendre aussi un prêtre skink. Magie des cieux, on en a déjà un. On va prendre magie de la bête, comme on n'a pas. Même si c'est pas la meilleure école de magie. Attribut coureur, ça peut être pas mal ça, pour aller chercher plus vite les ennemis. Donc, on va prendre l'incarnation de Wissean, on va prendre la nuit infernale, la lance d'ambre, la peau impénétrable, et on prendra niveau 2. Donc d'ailleurs, avant de prendre la lance d'ambre, je pense qu'on va prendre ça directement niveau 2, et on va prendre la nuit infernale, que j'aime bien. Allez, pour des buffs. Donc on aura notre deuxième armée à 20 sur 20 ici, les cornus devraient être bons. Je pense qu'on a une armée assez mobile, assez équilibrée, avec une frontline un peu faible. Enfin, pas faible, mais un peu petite. Mais ça restera toujours sympa.
Regarde si tu peux commercer avec le port. Oui, on va regarder tout de suite. Mais non, parce que le port ne donne pas sur l'extérieur, c'est un port intérieur malheureusement qui m'ouvre rien du tout. On va aller aussi voir ce qu'on peut faire avec Wadi El Tebek. Sudenbourg malheureusement... En fait ils sont alliés pas avec grand monde. Hein. Ils sont pas alliés avec grand monde, je pourrais leur déclarer la guerre, même si je déclare la guerre à tout le reste. Ça pourrait nous faire un petit challenge. Juste avant ça, je vais stabiliser un peu l'ordre public là. Donc on va aller affronter la rébellion là, on va finaliser nos deuxièmes armées et on va bouger. On va bouger, on va faire un point diplo aussi avec, avec Gorok le prochain tour. Je sais pas ce qu'ils vont faire les elfes, ils ont l'air tournés en rond là. Surplus de population, rébellion. Je vous mettrai un petit sondage ce soir sur le YouTube pour savoir qui on joue le prochain live. C'est lui qui a tué Tic-Tac-Toe, tue cet hérétique. Qui ça? C'est Sudenborg qui l'a tué. Générer plus de guerriers Saurus. On va pas trop en... On va pas trop en affronter. Bon, comment ça se passe avec toi? Un petit accès militaire Non. Si Arcan on pop, vous allez voir, normalement les relations vont exploser. Alors, bâtiment d'ordre public, ici. Et bâtiment de thunes, on l'a déjà. Mettre un petit pylône, ça pourrait être sympa. On va se mettre à 30% là. Oh, ils sont en mode... dommage, ils sont en mode marche. Wadi El Tebek, c'est une petite colonie, donc on va la raser. Hein. Je vais pas la prendre pour l'instant, ça sert à rien. Par contre, j'ai une... ouais, j'ai une rébellion chaotique ici. Bon, avec du maraudeur, mais... Rébellion chaotique, ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Surtout que là, on est lent. Là, on a encore deux tours à enfin, un tour à attendre avant de pouvoir la bouger. On va peut-être perdre le camp d'Orient, fait chier. Allez, parfait. Un tour, on a l'armée complète. On continue à prendre en reconnaissance. Bon, au moins, on aura un peu de thunes ici. Et puissance des armes pour les skinks, malheureusement. Ça ne nous servira pas à grand-chose. On a 3000 de thunes. On peut passer... on peut faire une petite garnison à Numas. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Allez, go. La côte vampire, les Skaven. Mais pourquoi pas les Skaven, la côte vampire, vous me direz. Hein. Arcan, il va pas se prendre Tyrion en pleine face et retourner pleurer dans la manifestation du chaos, c'est possible. Hein. Ah! Vous voulez venir m'aider les nains ou pas? Ou alors ils s'en foutent complètement de moi. Ah, ils vont peut-être venir m'aider. Hein. Parce que là, je suis un peu loin, malheureusement. J'ai l'impression que c'est le barreau d'honneur des... C'est le baroud d'honneur des de Khemri. J'ai un pacte avec eux, ouais, j'ai un pacte d'agression, donc l'accès militaire on peut leur donner. Hein. Une armée transfuge. Ah les petites marées maudites qui vient de pop, ça fait plaisir ça. C'est qui c'est Stra? Non c'est le roi Orphos. Allez, on va péter le Skaven ici. C'est bizarre qu'il fasse le tour comme ça. Ce qui nous manque dans nos armées, en fait, c'est des Croxigors. Des Croxigors, j'en ai... c'est ça qu'il faudrait que je recrute. J'ai pas de Croxigors alors que j'ai un maître Croxigor en plus. J'avais dit que je lui en mettrais. Pourquoi je t'en ai pas mis? Je crois que j'ai pas le bâtiment encore pour les recruter comme un crétin. Je l'ai nulle part en fait, ce pauvre bâtiment Croxigor. Je l'ai nulle part. Je l'ai nulle part. Je suis vraiment le roi des bêtes. 5% de revenus, est-ce que ça nous fait quand même grand chose? Ça nous fait quoi? Ça nous fait 15, 30, 45. Allez, ça dégage. Ça dégage.
Même si ça prend en compte ça, ouais, en tout ça nous fait 60, ça nous fera perdre 62 thunes. C'est pas très grave. Et je pense que je vais rester. Alors qu'est-ce que je. Non, on va quand même garder cette armée-là. J'aurais peut-être supprimé. Si j'avais su, j'aurais supprimé autre chose. Putain, on n'a pas de Croxigore alors qu'on a un chef Croxigore, quoi. Vous l'avez pas dit, les gars, ça? Joue le clan Skrir pour rigoler avec la danse des factions du bien. Ouais, pourquoi pas? Mais pourquoi pas, les gars, hein. Je le mettrai dans les choix, le clan Skrir, si vous voulez. Je le mettrai sur le. Bon, on va prendre l'être du dessous, histoire d'avoir un petit sort offensif dans cette armée. Bon, j'en ai déjà, tu me diras. Alors, mode embuscade. C'est pour le prochain tour, du coup, le reste. On n'avait pas encore passé le tour ici. Hein. Si? Ah, si, on avait passé le tour. Cetra qui est ici, pauvre Cetra. Alors, là, regardez, attaque éclair, ça fait rien du tout. Oui, ça fait rien du tout, du tout. Hein. Attaque éclair, là. Ils sont en garnison. Que j'active ou pas, oui, ça les fatigue même pas. Hein. Il n'y a pas de d'icône comme quoi ça les fatigue. Ça change strictement rien de faire une attaque éclair dans une bataille de garnison. On va mettre à sac. 5000 de thunes, c'est pas négligeable. J'allais dire, on va essayer d'aller les choper ici, mais. On va laisser les. On va le laisser entre les mains de la bretonniste, cette province-là. On n'a pas trop besoin, nous. On a juste besoin de se fortifier un peu. Monter un peu nos relations avec toi, une petite alliance militaire. Voilà, il accepte. Et on peut le confédérer. Voilà, on va demander de le payer pour le confédérer. Nickel. On a confédéré avec lui. Alors, on va juste dégager toute cette armée-là. Parce que malheureusement, ce n'est pas Nakai. Et à la limite, ce qu'on va faire... alors, Nakai, normalement, on est nulle part, hein, si je dis pas de conneries. Voilà, il est nulle part. Par contre, on devrait l'avoir en recrutement. Donc, à la place de toi, qui était sympa, je devrais l'avoir ici. Si je dis pas de conneries, Nakai, il est là. On valide. Et voilà, on est à plus 184. Et on a Nakai, les gars. On a Nakai sans Croxigore, c'est quand même complètement con. Mais bon, on va continuer à aller. Bon bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Vous savez quoi, pour le prochain épisode, on pourrait même... on pourrait même jouer genre une faction assez... assez chiante, putain j'ai des rébellions de partout, je vais désimposer ici. J'ai des... on pourrait jouer une faction du mal. Avec le mode KO x3 pour commencer. Et avec le mode départ aléatoire. Pour être cool les gars, non? Homme bête, je suis pas trop fan du gameplay de la faction, j'adore leur armée. Par contre, le gameplay de la faction en elle-même, j'aime pas. Ils mériteraient d'avoir une refonte, quoi. Ah bah ça se fait en auto, ça. Parfait. Ah bah y a les nains qui sont venus en plus. Nickel, merci les nains, on va prendre la thune. En plus, normalement, ils devraient faire la rébellion ici. On a même les nains qui viennent nous aider à faire à annuler nos rébellions, quoi. Ouais, c'est ça, K.O. Mbet, ça mériterait une petite rébellion. Exilé de Nek avec un départ aléatoire, pourquoi pas. Pourquoi pas jouer? Mais je laisserai pas mal de choix. Après, on va faire un choix de faction. Je vais faire un premier sondage, là. Choix de faction. Et deuxième sondage, ça sera est-ce que je joue avec le mode départ aléatoire? Oui, non. Et est-ce que je joue avec un mode KO x3? Oui, non. Ah, ça fait chier, par contre. Ça fait grave chier. On peut la faire, là, quand même. 36, 30, 28. On va la faire. Ça se joue. Refonte du chaos pour le 3, c'est sûr. Bah, c'est sûr qu'il prépare ça pour le 3. C'est certain. KO x10. Bah, après, on verra. Hein. KO x10, KO x3, KO x5. Je vous mettrai tous les choix. Hein. Bah après, vous allez choisir. Je vous connais, hein, vous allez tous prendre KO x10. Après, si on joue KO x10, par contre, il faut qu'on joue une faction du bien.
Parce que si on joue une faction du mal avec Yao x10 et avec des parts aléatoires, on est mort. On est mort de chez mort. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis mes skins derrière, mes skins qui sont en premier, hein. C'est lequel est tanké. Ils sont pas larges, hein, ces enfoirés de chiens de guerre, je crois. Malheureusement pour nous. Donc ça va être leur seigneur qui va être casse-burn. Allez, mes petits. Il sort quand le 3? Ben, je sais pas encore. Ouais, si j'avais su, j'aurais... En fait, si j'avais su qu'ils pouvaient attaquer en un tour, parce que je les ai pas vus assiégés, c'est ça. Ah, ils nous attaquent par derrière, les enfoirés. Wouah, on prend cher. On prend tellement cher. C'est du guerrier du chaos, les gars, en face. Hein. On a du Saurus, c'est du guerrier du chaos. Et... Ah, mais c'est du Skink ici. Ah oui, c'est la Quark Skink, ça me va. Ah, parce que j'aurais pas accepté quand même. Essayez de me les buter, les chiens, là. Bon, je pense qu'on va la perdre, mais malheureusement, on va la perdre à cause du moral en légendaire, mais... Parce que là, complètement, il n'y a pas de stratégie avant, on n'a pas de tireur, on n'a rien. Nos skins fuient déjà. Ouais, ils reviennent les chiens. Ouais, ça fuit malheureusement ici. Ah, c'est nos trois unités de skin qui suivent. Fuit. Par contre, ils ont du mal à se débarrasser des Saurus pour le moment. Fin 2021, oh, vous êtes pas sympa les gars. Je pense que ce sera... Moi je le vois bien pour fin 2020. Hein. Parce que là, à part le DLC... Oh putain, il est bien placé celui-là. Faut qu'on dégage. Putain, ils ont de la magie, les enfoirés, quoi. Moi, je vois bien pour fin 2020, hein, les gars, vraiment. Hein. Putain, on tient. Hein. On va accélérer, parce que ça a rien de... Y a rien à faire, en fait, malheureusement. Ouais, ça va plier ici, malheureusement. Dommage, parce que sur les autres... Sur les autres flancs, ça a gagné. Rework des peaux vertes, ça va arriver début d'année peut-être. Donc si début d'année on a le rework des peaux vertes et que... Allez. Si début d'année on a le rework des peaux vertes... Ouais, ouais, malheureusement on se fait éclater. Allez, venez ici. Faut tenir. Arrêtez de fuir, les gars, putain, revenez. Allez, toi, viens là. Ouais, on les encercle, hein. On les encercle. Sur un malentendu, ça peut peut-être y aller. Hein. Regardez-moi ça, les gars. Les lézards, là. Ça n'a pas bien fait de la faire, celle-là. Allez, encerclez-le moi, lui. Oh là 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 là. On les a éclatés. Elfe Sylvain, ouais, ben, c'est Sylvain, ça mérite une refonte. Mais après, vous savez, on peut avoir début d'année, là, mois de février-mars, on peut avoir Grom et le Tarion, ça fait nain. Au elf. Peau verte au elf, pardon. Après, on peut avoir un DLC Elfe Sylvain nain, pourquoi pas, j'en sais rien. Et après, boum, Total War Armor 3. Hein. Ils ont dit que de toute façon, il y aurait plus... Je crois que le dernier DLC de faction, ça allait être le Grom... Enfin, que ça allait être les peaux vertes, je crois. Ah, malheureusement... Oh putain, la rébellion, en plus, elle va doubler, là. Rébellion imminente, bah ouais, je sais bien, ça casse à barre, mais bon, on va réimposer la province du coup, ça repasse en positif. Ok, donc les nains, normalement, ils devraient me buter ça, et moi je vais pouvoir descendre ici.
Et le camp d'Orion, ouais, y a pas de, ah oui, c'est une colonie, mais y a pas de garnison pour l'instant. Le problème, c'est que là, je vais avoir une rébellion, donc la rébellion va grossir tout de suite. Donc, je vais me la faire prendre, hein, je pense. Ok, donc ici, Cetra, ça m'a l'air d'être terminé. Faudrait que je monte vers la pyramide noire. Donc, on va monter en passant par notre province pour se régénérer quand même. Ok, Sudenbourg, on va monter ça, on va booster l'ordre public, histoire d'être un peu autonome. Ici, on a une rébellion à Cassabar. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, on a lui qui est à proximité. Et toi, du coup, Nakai, tu vas monter. Et on t'affectera des Croxicorps, promis, bientôt, dans ton armée. Il y aurait plus de DLC de faction, et que The Hunter and the Beast aurait le dernier DLC de Roller Pack. Maintenant, on n'est plus sûr de ce qui est possible. Bah, c'est ça. Donc s'il n'y a plus de DLC de faction et que The Hunter and the Beast est le dernier DLC de Lord Pack, il n'y aura plus de Lord et plus de DLC faction, donc il y aura quoi? Donc c'est obligatoirement pour 2020 Total War Warhammer 3. Et ils vont communiquer début 2020, je pense. Bon, tout baisse avec eux, c'est normal, puisque j'ai confédéré, donc il y a un malus de confédération. Il y a juste avec Exoal, tout ça a l'air d'être pas trop mal encore. Ça baisse très peu. Donc rébellion à Cassabar, on passe le tour. C'est une rébellion. C'est une rébellion quoi ça? Roi des tombes? Roi des tombes. The Hunter and the Beast, c'était le DLC de Nakai et Malus. Ah oui! Ah oui, d'accord, ouais. Moi, il me semblait qu'ils avaient dit qu'il n'y avait plus de DLC avant la sortie de celui qui était annoncé en janvier là. Enfin, qui a été. Pas annoncé, parce qu'il n'a pas été annoncé officiellement, mais. Qui avait été dataminé, je crois. Après, je me sais. Vous voyez-vous encore sortir une année de DLC? Parce que cette année 2019, on a eu quoi? On a eu la Côte Vampire, on a eu ben, Nakai. Ouais, voilà, par contre, je peux rien faire. On a eu Nakai. On a eu Malus. Et début d'année, on a eu qui? On a eu un DLC début d'année. Je sais plus ce qu'on a eu début d'année. Bah, on n'a pas eu Gorok. Tic-tac-toe, Gorok et Tenawin. Non, c'était Tenawin. C'était Tenawin, je crois qu'on avait eu au début d'année. Tenawin, Lokir, si je dis pas de conneries, et Gorok en free LC. Où il y avait Tic-tac-toe peut-être. Mais je les vois pas sortir encore 4 DLC cette année avec des nouveaux seigneurs, etc. Là, ils ont bien préparé la map. Là, ils nous ont quand même offert une partie de la map de Total War Warhammer 3 dans le dernier DLC. Donc, je les vois pas pendant un an encore nous donner d'autres factions et nous révéler encore une partie de la map. Après, il y aura plus rien à jouer. En plus, ils ont préparé complètement le passage des tours là, en optimisant le passage des tours. Donc, ils se sont préparés à se dire on va se rajouter masse factions pour ça justement. Donc, non, je pense que. Oula, on va passer ici en bonne marche. Bon bah adieu Cetra. Hein. On va prendre la régène. Voilà, Khemri n'est plus. Et on va se préparer à aller à la pyramide noire. Parce que je la veux. Est-ce qu'ils sont en guerre contre la pyramide noire eux aussi? Non, ils ont pas l'air d'être en guerre contre la pyramide noire, donc ça c'est cool. Faction en précommande comme la Norska possible avec Albion, bah oui pourquoi pas. Tenawin Ikid avec Tic Tac Toe en avril, ouais, c'est ça. Non, il y a quand même beaucoup de DLC cette année. Bah, le camp d'Orion, le problème c'est que. Bon, après, je peux y aller. Hein. On va y aller. On va prendre la discipline de fer, je vais essayer d'aller le mettre sur l'attaque éclair, lui. Krogga. Nakai, ici. Donc Krogar, on va l'envoyer sur la pyramide noire. Avec l'attaque éclair, normalement il devrait se faire chaque armée une par une. J'espère juste qu'il n'y a pas trop prendre cher. On va se prendre ça et on va valider. Rajouter seigneur légendaire pour les factions qui en ont moins que 4, genre. Ouais, mais tu les vois te faire un an. Juste en rajoutant des seigneurs légendaires, sans rajouter de nouvelles zones, sans rajouter de nouvelles factions, on va se faire chier. Hein. Parce que mine de rien, quand on regarde Malus,
C'est sympa, on a eu deux nouvelles unités, mais enfin, je veux dire, tu retrouves à 90% le gameplay des elfes noirs, avec la difficulté de l'élixir en plus, sur une nouvelle zone, mais ça reste de l'elfe noir, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de nouveauté particulière. Tu vas faire une campagne avec Malus, tu vas dire, ok, c'est bon, t'auras plus envie de jouer les elfes noirs, ça va être sympa une fois. Alors qu'avec la côte vampire, tu te disais, je vais faire plusieurs parties. Enfin, tu fais une partie avec la côte vampire, tu vas dire, ah, j'ai testé un autre scénario de la côte vampire, puis après tu te dis, tu vas faire 2-3 campagnes, tu vas dire, bah, j'ai envie de rejouer la côte vampire parce que t'es beaucoup plus libre, puis c'est une faction qui est sympa aussi, qui est assez. Les rois des tombes, c'est pareil, tu vois, les rois des tombes, t'as plein de départs différents possibles. T'ont rajouté des factions comme ça, la Norska, ça a été sympa aussi comme ajout. Et il en faut au moins un par an, quoi, d'ajout de faction, pour redonner vraiment une hype au jeu. Que sortir juste des seigneurs, c'est bien, hein, je dis pas le contraire, mais. Je pense que c'est pas assez pendant un an complet. Alors, qu'est-ce qu'on va affronter, les gars? Donc cette armée, on l'a fait easy, celle-là aussi. Celle-là, ici, facile. Il y a juste l'armée... Il faut au moins que j'ai deux armées, en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Je pense qu'on va mettre de côté le Condoréon pour l'instant. Quoique, vous savez quoi? On va y aller. On va y aller. C'est juste que j'ai peur qu'on va se préparer, on va se préparer à la guerre, ici. On va se mettre en mode... comme ça. On va se fortifier un peu au niveau de l'ordre public, surtout. Moi, je peux pas, j'ai pas la thune. Martinck, tu vas monter un peu. Je devrais plus avoir le malus de confédération, là, si je l'ai encore. Pénalité de confédération, moins 40, je l'ai encore. Ça ira mieux tout à l'heure. Et on va passer le tour. Ils vont rajouter la faction cheatée de ouf, celle qui va détruire le chaos ironie sur le monde. Ça serait tellement bien qu'ils rajoutent une faction comme ça. Ah! Les nains se font attaquer de l'intérieur. Salut Vic! Ça fera un bon seigneur pour la côte vampire. Comment je peux faire? Ah oui. Là, normalement, ça devrait être bon. Vas-y, Bébou, parle dans le chat pour voir. Wouah! Qu'est-ce que c'est que ça? Il vient de m'assiéger! Pour le 3, je vois pas quelle faction ils peuvent rajouter en plus des démons. Bah, ils peuvent rajouter Kislev, ils vont rajouter les ogres, ils vont rajouter les nains du chaos, ils vont rajouter les démons, du coup. Donc ça fait déjà pas mal. Voilà, Bébou. Tu vois, je t'ai donné le pouvoir, quand même. Je t'ai donné le pouvoir sur le chat. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah ouais, ils ont une grosse garnison, les enfoirés. La Mia, pourquoi pas, du coup, s'ils la rajoutent pas avant la fin du 2. Après, ils peuvent tenir un an, hein, s'ils rajoutent Nagash, là, à la fin du 2. Ils nous rajoutent la nouvelle faction des followers de Nagash, ici, à Nagash Izar. Ils nous rajoutent le DLC Grom Nain en début d'année. Ils nous répondent un Lord Pack après, en fin d'année, et ça leur fait leurs 3 DLC avec un quatrième, on sait pas, en précommande à la fin de l'année, pour annoncer début 2021 Total Warhammer, j'en sais, 3, j'en sais rien. Mais après, potentiellement, c'est vrai qu'ils ont... oh merde, putain, j'ai demandé de la thune. Aux nains. On va leur demander 1300. Ils veulent plus. Je peux les demander à qui? Chevalier de Lyonnaise. Est-ce que vous êtes bien? Vous êtes ok pour donner... Oh, c'est quoi ce bordel? Là que personne veut me donner de la thune. Eh ben, vous êtes vraiment pas sympa, les gars. Est-ce que toi t'es ok pour me donner de la thune? Ah, heureusement que l'Empire est là pour me donner de la thune, hein. Putain. Allez, parfait, on va booster ça. Province sécurisée, on le sait, on va booster ça aussi. Bébou qui a une promotion. Ouais, non, mais Bébou, c'est le modérateur du Discord et du YouTube déjà. Et c'est vrai que comme j'avais pas donné de modérateur sur Twitch, j'en mettrai un. Après, je pense que j'aurais besoin d'un deuxième modérateur ou d'un troisième. Parce qu'il y a Jedi Axel, mais il est pas... Pas là sur les... Sur Twitch encore, je l'ai pas vu, donc après, peut-être que je verrai s'il y en a un d'entre vous qui veut modérer. Éventuellement,
je lancerai peut-être une campagne de modération. Lui, on va le dégager, notre Martin, qu'il a fait un taf, mais le temps qu'on le replie, je pense que plus grand chose à faire. Hein. J'ai Axel, ouais. Lamia aussi, ouais, de quoi avec Neferata? Bah, Neferata, ils peuvent la rajouter. Moi, ce que je vous disais, les gars, c'est que je verrais bien une faction Neferata, justement, qui se replie à Nagashiza, donc un début de seigneur jouable avec Neferata. Alors, je sais pas si c'est vampire ou roi des tombes, comment ils vont le mettre, parce que à la base, Neferata, c'est quand même plutôt une vampiresse. Et justement, où tu as un but d'aller récupérer la forteresse de Nagash pour aller justement réveiller Nagash à la même manière que Croak, en seigneur via une bataille de quête, et puis après, voilà quoi, jouer. Alors soit en seigneur, hein, soit le recruter en tant que seigneur légendaire, pourquoi pas, mais que tu ne l'aies pas dès le début, tu vois, qu'il y ait quand même des quêtes pour pouvoir. Ou alors que tu l'aies en début, mais que tu dois aller à la pyramide noire, récupérer sa pyramide noire pour avoir tous les sorts ou débloquer un arbre de compétences qui lui permettent d'avoir des sorts aussi pétés que celui de Croak, tu vois. Mais il faudrait qu'il fasse un truc avec une campagne scénaristique, quoi. Avec ça. Soit avec Neferata, soit avec lui, mais qui commence à faiblir et qui doit aller là-bas. Coup de recrutement, on s'en fout pour l'instant. Donc une nouvelle marée maudite à ce que je viens de vous lire. Eh bien, continuez. Alors, donc ici on a repris un niveau. On va bientôt arriver niveau max. Hein. On a presque plus rien à faire en fait. On va reconstituer les troupes. Enfin, la corruption chaotique, il me faut des bâtiments d'intégrité là, vraiment. Il me faut vraiment des bâtiments d'intégrité. Parce que ça va pas du tout. Hein. Allez, on va commencer à l'avancer lui. On va le faire passer par bagarre. Ah, mais c'est à cause d'eux qu'on a de la corruption. Bon, on va voir ce que vaut l'armée de Nakai. On va l'approcher ici. Prochain tour, on va déclarer la guerre aux Embet, là, qui sont en train de me raid. À côté de Qatar. Ça me plaît pas du tout. Donc vous restez comme ça et on passe le tour. Si, il y a une faction japonaise, mais est-ce que c'est Katai, mais est-ce qu'ils vont la mettre en place? Est-ce que le territoire est quand même pas... leur est pas destiné, quoi. Alors ils peuvent le rajouter, hein, ils peuvent rajouter des territoires, pourquoi pas les îles Katai. De toute façon, ils vont être obligés de trouver aussi en DLC Total Warhammer 3, ils ont compris que c'était une pompe afrique, hein, Warhammer. Ils sortent 4 DLC, tout le monde les achète. Et après, avec Total Warhammer 3, ils ont un puits sans fin, quoi. Oh, les nains, vous pouvez pas revenir, là? Ouais, je me fais attaquer de l'intérieur, ça me plaît pas du tout. Les nains, ils tranquille, ils tournent. Je les avais zappés, eux. Ah, mais c'est bon, on a les nains qui sont là-bas. On a les nains avec leur armée un peu pétée. Ouais, en autarcie. Bah ouais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas le mettre comme les elfes sylvains, hein. Les elfes sylvains, ils vivent aussi en autarcie. Ils sont partis, nos amis Umbet. Ou ils sont en mode embuscade, peut-être. Je sais pas, on va se déplacer petit à petit. Non, ils ont la date partie. Dommage, j'aurais bien aimé tester... Ah bah non, ils sont là. J'aurais bien aimé tester cette armée. Toi... Ce serait pas mal que tu aies passé un petit tour en garnison ici, pour qu'on puisse avoir les deux armées, prendre la pyramide noire justement. Donc toi tu continues comme ça. Il me faut une province côtière. Donc là normalement ça devrait aller au niveau de... Au niveau de... De tout ça. Parfait. En race jouable, si finalement avec les Three Kingdoms, bien sûr. Peut-être pas rêver non plus quand même. Faut pas rêver. Allez, la Norska, une des dernières factions encore vivantes, encore debout, des factions du mal.
Ouh, des alliances militaires qui se forment entre des factions majeures. Je sens que vous allez voir que le chaos va pas tarder là. Des fois, t'as raison, Oxyo. Ça m'étonnerait même pas qu'ils arrivent à faire un truc bien plus sympa que ça. Bah après, les Fruit Kingdom reste un jeu historique. Hein. Ça reste un jeu historique. Donc c'est sûr que du moment où on peut jouer un peu de magie ou autre chose, c'est sûr que. Quand même bien plus sympa. Alors, hop. Donc lui, on va continuer. Ah, on va lui donner l'entraînement. L'entraînement niveau 2. Notre prêtre, on va lui donner la lance d'âme cette fois. Putain, notre économie, elle a mal, hein. Avec trois armées. Bon, les hommes bêtes, j'ai l'impression qu'on les fait fuir. Donc on va les ramener Nakai. Et je pense qu'on finira sur la bataille de la pyramide noire. Alors je sais pas si on la fera cet épisode-là ou pas. Je vais juste me mettre ici à 50%. Bon, on va se mettre directement dans bagarre. Voilà, comme ça on est presque full life. Toi, tu continues, dans quelques tours on arrive. Martin, je sais même pas quoi en faire. Voir un peu ce qui se passe au nord, mais je pense que du coup, vu que Malekith a été détruit, je pense que Lothern a tout le nord. Laisse la cinématique. Ouais, s'il y a la cinématique du chaos, je la laisserai, les gars. Dans la bibliothèque impériale, il parle de plein de trucs liés au Katai, dragon, phénix, géant. Ah non, mais je pense qu'il y a une super. Il y a un super truc à faire. Hein. Il y a un super truc à faire. Le clan Skrir encore a été détruit. Mais je me demande s'il reste des factions du mal. Arcaon, il va arriver, il n'y aura plus personne. Il y aura 4 factions en jeu, il y aura nous, les nains, l'Empire. Et les elfes. Il n'y aura plus de Skaven, il n'y aura plus d'elfes noirs, il n'y aura plus de Norska. Forger une alliance défensive. Ah, mais ils veulent pas. C'était pas mon. J'ai essayé. Hein. J'ai essayé. Dites-vous que si on arrive à confédérer avec Mazamundi, on récupère la moitié de la Lustrie, quoi. Il te reste des elfes végans. Plus de rats. Ouais, mais les elfes. Pff, ils servent pas à grand-chose. Alors. Puis c'est Martin, quoi, les elfes. D'ailleurs, je me demande pourquoi il a jamais joué en étant suisse. Ouais, j'ai un petit point de convergence arcanique, c'était perdu. Ok, on est full life. Donc prochain tour normalement, on devrait pouvoir attaquer. On va se faire de l'attaque éclair tant qu'on peut. Et la bataille de siège, on la fera sûrement dès le début du prochain live. Ah merde, on a une rébellion ici. Fais chier, je vais désimposer la province. On est à moins 1, on est bien d'ordre public pourtant. Putain, pourtant j'ai deux bâtiments d'ordre public. C'est vraiment des bâtiments d'intégrité qu'il me faut. Hein. Peut-être le clan Rictus. Peut-être. Mais je pense pas, hein, sincèrement. Alliance militaire Lothern-Reckland. Ils se font pas chier. Il y a un moment où, franchement, quand il n'y a plus de faction du mal, ils vont quand même se foutre sur la gueule. Il me semble que quand le chaos est pop, quand le chaos. Tout le monde est allié au pop du chaos, et une fois que le chaos est mort. Une fois que le chaos est mort. Tout le monde commence à. Les relations commencent à descendre vachement, vachement, vachement. Et genre, toutes les autres factions commencent à se déclarer la guerre, les factions du bien. Donc c'est vrai que ça part un peu en cacahuète à ce niveau-là, c'est cool. Qu'est-ce qu'elle veut, Jeanne? Un accès militaire en échange de thunes? Bah vas-y. J'accepte. Il reste la côte vampire. Ah ouais, peut-être, il reste peut-être la côte vampire, t'as raison. Tu as testé Jeanne. J'ai un let's play en cours avec Jeanne sur la chaîne YouTube Cartes. Donc j'ai fait, je crois que j'ai publié les 3-4 premiers épisodes, je crois. Et du coup, la suite arrive. Donc je l'ai testé. Pour l'instant, ça se passe bien. Après, à voir. J'ai l'impression qu'elle est relativement simple pour les retours que j'en ai. Pour l'instant, le début de partie est assez facile aussi. Donc, Allez, vous êtes prêts, les gars? On va faire l'attaque éclair hein, pour l'instant. On va pas appeler Karazakarak, j'ai pas besoin d'eux.
Donc attaque éclair, il annonce même gagnant contre les quatre armées. Allez, on voit la une. Pour éviter quand même de cramer toutes les forces de notre ami Nakai. Ah mais ils ont pas l'attaque éclair les autres, putain. Et ouais, ils ont pas l'attaque éclair, il y a que lui qui l'a. Donc la question, on va reconstituer les troupes ici. Ah, je pourrais éventuellement me mettre en mode comme ça. Me reconstituer, me mettre ici. Eux ne doivent pas l'avoir l'attaque éclair, pardon. Ils ont quel niveau? 7, 4 et lui 9. Donc ils n'ont pas l'attaque éclair. Parce que je me suis déjà fait choper par les hauts elfes dans la partie Clan avec l'attaque éclair. Ça m'a fait drôle. Nakai, on va l'approcher, donc normalement ils sont censés ne rien me faire. Et moi ça permet de me reconstituer. Je pense que ça pourrait être sympa. Jeanne est forte, elle booste l'infanterie. Une campagne avec le faction du mal plus le chaos x10 et les factions du bien vont disparaître. Bah on verra. On verra bien les gars. Moi est-ce que je m'en fais une deuxième en attaque éclair? Je peux m'en faire une deuxième rapide en attaque éclair quand même. Bah, vous savez quoi, on va se la faire, on va finir sur cette bataille. On va voir du mort là, on va voir du Croak à l'action, on va voir notre frontline à l'action. On va finir sur cette petite bataille là, le live d'aujourd'hui, et on recommencera je pense samedi donc 14h. Parce que c'était un live un peu improvisé celui-là, hein. Ça aurait pas dû avoir lieu. Après à voir, je vais voir si on le prolonge pas un petit peu quand même. En fonction de ce qui se passe. En fonction de ce que vous voulez voir aussi. Alors, on est à 13. On va rester à 13 comme ça pour l'instant. On va avancer un petit peu avec tout ça. Vous allez venir ici. J'ai rien oublié. Ils ont pas d'unité de tir, c'est cool. Ah si, ils ont les échappés à grand arc quand même. Donc toi tu devrais pouvoir tirer assez rapidement, toi aussi, et toi aussi. Oula, il a hâte. Regardez, il a hâte, le petit. C'est quoi, c'est du guerrier squelette? Vas-y sur le guerrier squelette. Faut juste pas aller sur du lancier comme des crétins. Bon, toi tu peux aller sur des lanciers, y a pas de souci. Krokgar, il est où? On va se faire un petit... Ouais, mais ça part déjà en cacahuètes. J'ai aucun endroit où je peux balancer ça, vous êtes sérieux là? Ils sont déjà en train de partir en déroute? On va quand même se faire un truc là. On va quand même s'en faire un ici. Mon dieu, mais le commandement des rois des tombes, il est pourri là. Ok, nickel. Ça, c'est bon. Ils ont fait pas plaisir, je suis petit sur quoi? Sur ça. Krokgar, quand même, on va l'envoyer sur le roi Ophstos, là. Vous continuez là-dessus. Vous allez là-dessus. Vous continuez là-dessus. Allez, sur le roi, les gars. Ça croustille. Je veux voir une défaite. Bah, si tu veux voir une défaite, tu regardes le replay du dernier live avec la Norska, mon petit bébou, je pense que tu seras servi. Allez, petite magie. Voilà les morts qui volent. Le Saurien, on va le faire charger par derrière un petit peu. Vous venez ici. Vous là-dessus. Vous vous êtes arrêtés tranquille les gars. Vous venez là. Ici ça a l'air de se regrouper un peu. Bon je pense qu'on peut accélérer. Hein. Ça va aller vite ça.
Allez, victoire décisive, on n'a rien perdu, c'était le principal. C'est un massacre. ...266 morts pour Croak, nos sauriens qui sont toujours aussi pétés. Les Carnosaurus ne sont pas les mêmes. Si on prend un sauvage béni ou une monture, le seigneur du chaos. Ouais, ça j'avais vu. On va reprendre la régène. Non, on pourrait même faire la... Ah non, je peux pas attaquer trois fois, ils veulent pas. Ils veulent pas que j'attaque trois armées différentes. Ça a des limites. Est-ce que j'ai la range pour aller ici? Ouais, j'ai l'air d'avoir la range pour le faire fuir éventuellement, lui. Ah, il accepte, hein. C'est un 2v3. On va arrêter le live là-dessus, les gars, et la VOD YouTube aussi. Enfin, on va arrêter la VOD YouTube pour l'instant. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Hein. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt pour la suite de la bataille de la pyramide noire. Sûrement, donc, du coup, la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien, à bientôt.